Vous avez beaucoup de chance à Bagnoul, parce que vous allez assister à une première. Bon, c'est pas la première fois que je parle de la compagnie Cardinal de l'Orient, puisque c'est et de ni de la croisade de Philippe Le Hardy, puisque le livre est sorti courant octobre, donc il y a 3 mois. Mais c'est la première fois que je vais faire une conférence en ayant oublié chez moi et mes notes et mes images. Je viens de me faire engueuler par ma femme. Et, j'avais tout préparé, vous savez, tout était impeccable. Et, tout était là-dedans, mon appareil et tout. Non, il n'y a pas de double fond, il n'y a rien. Et pas arrivé ici, il y a 10 minutes, j'ouvre mon sac, pas d'image et pas mon texte. Alors vous avez droit à ce qu'on appelle une causerie à l'ancienne, n'est-ce pas ? Sur le même sujet. Ouais. Bon. Les images, qu'est-ce que vous voulez ? Vous serez condamné à acheter le livre après si vous voulez le voir. C'est un peu cher. Ah, mais c'était fait exprès. Non, c'était pas fait exprès du tout. Parce que je vous assure que c'est plus reposant d'avoir un texte et de projeter des images que ce que je vais faire aujourd'hui, qui sera une improvisation. Pas totalement une improvisation quand même, parce que je connais le sujet. Hein. Quand on a travaillé 3 ans sur le sujet, on le connaît. Mais enfin, disons que si j'avais été un jeune professeur débutant comme je l'étais il y a 50 ans, ça aurait pu me déstabiliser. Aujourd'hui, vous me voyez calme, hein, je ne serais pas déstabilisé. Vous y perdrez certainement pour les images. Pour la parole, ça reste à dire encore, hein. Vous me direz à la fin. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est un sujet extrêmement important pour le Moyen-Âge en Roussillon. C'est pratiquement l'événement le plus important qui se soit déroulé en Roussillon au Moyen-Âge. Il s'est déroulé l'année 1285, hein, entre le mois de mai et le début octobre. Donc c'est une action qui est limitée sur 6 mois et qui est limitée sur un espace également limité. Roussillon, Empourdant, jusqu'à Gérone et Costablava, vous voyez. Donc, unité de temps, unité de lieu et unité d'action, c'est-à-dire les 3 règles de la tragédie classique, en quelque sorte, vous voyez. Et ça, je ne l'ai jamais dit, vous voyez, par contre. Les 3 règles de la tragédie classique, et alors, vous allez me dire, une croisade en Roussillon, en Catalogne, mais pourquoi une croisade? Il n'y a pas de musulmans ici, il n'y a pas de reconquête de l'Espagne ou de la Terre Sainte à faire, non? Et alors, c'est pas la première croisade contre les chrétiens. Hein. Souvenez-vous qu'au début du XIIIe siècle, il y a eu la croisade contre les Albigeois. Et ici, 70 ans plus tard, en 1285, c'est une nouvelle croisade contre les chrétiens. Et qu'est-ce que c'est que cette croisade? Qui fait la croisade? Pour déclarer que c'est une croisade, qu'une expédition militaire est une croisade, il faut que le pape le déclare. Hein. C'est le pape qui dit que c'est une croisade. Hein. Alors comment en est-on arrivé là? Et comment cette croisade a pu se terminer par une action militaire ici, chez nous? Il faut remonter un peu loin. Il faut remonter un peu plus loin. Il faut remonter à... disons, à la fin du règne de Jacques Ier le Conquérant, hein, et des conflits qu'il a eus avec la France en particulier, et qui se sont traduits par le traité de Corbeil, qui nous a fait une limite, une frontière entre les pays catalans et la France, une frontière qui était sur les Corbières. Hein. Bon, traité de Corbeil, 1258. Il se trouve que le roi Jacques le Conquérant a dû signer ce traité qui ne l'avantageait pas beaucoup, hein, puisqu'il devait renoncer à des possessions en Languedoc. Hein. Enfin, alors, il a cherché un moyen de contrer la monarchie française, et le moyen qu'il a trouvé, c'est de s'allier avec le roi de Sicile, Manfred Hohenstaufen. Et pour cela, il a marié sa fille Isabelle à... Donc,
il a marié donc sa fille Isabelle à, au roi de France, au fils du roi de France, à Philippe, au futur Philippe le Hardi, et il a marié son fils à Manfred Hohenstaufen, il a marié son fils Pierre, l'héritier du royaume d'Aragon, à la fille de Manfred Hohenstaufen, qui s'appelait Constance, et l'héritière du royaume de Sicile. Bon. Parce que l'origine de ces croisades, elle se trouve en Sicile. La Sicile, Manfred la possède, jusqu'à ce que le pape dise non. Le pape, qui est l'ennemi de Manfred, dit non, la Sicile, maintenant, je la donne au frère de Saint-Louis, à Charles d'Anjou. Guerre, donc, en Sicile, Charles d'Anjou monte une armée, le frère de Saint-Louis monte une armée, va en Sicile, bat et tue Manfred, et donc dépossède ses héritiers du royaume de Sicile. Ça dure un certain temps, mais en 1276, Pierre d'Aragon, le fils du roi Jacques, qui est marié à Constance Hohenstaufen, il n'est pas d'accord et il monte une expédition pour enlever la Sicile donc à Charles d'Anjou, le jeune frère de Saint-Louis. Et tout va partir de là. Tout va partir de cette guerre de Sicile. Guerre en Sicile, les Siciliens se révoltent contre les Angevins, contre les Français, dans une révolte qui a lieu en 1282 et qui s'appelle la révolte des Vêpres Siciliennes, n'est-ce pas ? Vêpres Siciliennes, dont profite Pierre d'Aragon pour sauter sur la Sicile et conquérir la Sicile. Première réaction du pape, le pape dit « Non, c'est pas possible, moi j'ai donné la Sicile à Charles d'Anjou, pas possible. » Donc Pierre d'Aragon était excommunié. Il excommunie Pierre d'Aragon. Pierre d'Aragon s'enfuit complètement, jusqu'au moment où le pape dit « Mais non seulement je t'excommunie, mais je t'enlève ton royaume. Et ton royaume, je le donne à Philippe le Hardi, roi de France, et à son fils cadet, Charles de Valois. » Pierre d'Aragon dit « Je m'en fous. » Il s'en fout, il va le dire plusieurs fois « Je m'en fous » d'ailleurs. Il dit « Je m'en fous. » À ce moment-là, le pape dit « Mais j'autorise le roi de France à aller conquérir le royaume d'Aragon. » Ça se précise. Et ce sera une croisade. Une croisade contre le roi d'Aragon qui est excommunié. Et voilà comment, peu à peu, Philippe le Hardi organise une expédition, une énorme expédition militaire, plus de 100 000 personnes, plus de 100 000 combattants, et il monte son armée et il descend peu à peu, l'armée se réunit à Toulouse. Voilà. L'armée se réunit à Toulouse, nous sommes là au mois d'avril 1285, et l'armée de Philippe le Hardi se prépare à conquérir le royaume d'Aragon. Et donc, à venir chez nous, à passer les Pyrénées pour conquérir le royaume d'Aragon dans le cadre d'une croisade qui est destinée à lutter contre le roi excommunié qui n'a pas obéi au pape et qui a pris la Sicile à celui à qui le pape l'avait donné. Quelle est la situation ? Ça, pour le moment, vous suivez ? Bon. Alors, mais quelle est la situation chez nous ? Ben chez nous, la situation est un peu compliquée. Parce que les pays catalans sont divisés en deux. Il y a le royaume d'Aragon, au sud des Pyrénées, et puis au nord des Pyrénées, il y a le tout nouveau royaume de Majorque. Nous sommes, nous, au royaume de Majorque. Et royaume de Majorque, à qui appartient-il ? Il appartient à Jacques, le frère cadet de Pierre, roi d'Aragon. Alors vous imaginez que tout d'un coup, le royaume d'Aragon, le royaume de Majorque va devenir le petit royaume de Majorque qui comprend le Roussillon, la Cerdagne, les Baléares et Montpellier, qui
petit royaume, quoi, va devenir extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'il va devenir important? Parce que pour aller combattre le roi d'Aragon, Pierre, le roi de France devra passer par chez nous. Il devra passer par chez nous. Et alors, quelle sera l'attitude du roi Jacques de Majorque? Eh bien, le roi Jacques de Majorque, tout le monde essaie de l'attirer de son côté. Bien sûr, il est le frère du roi d'Aragon, Pierre, hein, mais il est aussi le beau-frère du roi de France, Philippe le Hardi, hein, parce qu'il a épousé, donc, et Philippe le Hardi a épousé Isabelle d'Aragon, sa sœur. Alors, que va faire le roi de Majorque? Pierre d'Aragon lui dit, attention, je t'ai fait signer un traité par lequel tu as dit, il y a 6 ans à peine, que tu étais mon vassal et que tu m'aiderais dans tout. Donc, je te demande de te mettre de mon côté. Et le roi de Majorque lui dit, mais ça demande réflexion. Quand quelqu'un vous dit ça demande réflexion, c'est qu'il n'est pas convaincu, hein, et vous ne devez pas vous attendre à quelque chose de très positif. Hein. Parce qu'en même temps, le roi Jacques de Majorque n'est pas d'accord pour être le vassal de son frère. C'est pas comme ça que son, leur père, le roi Jacques le Conquérant, avait décidé. Et ça lui a été imposé par la force. Hein. Et en sous-main, il a négocié avec le roi de France, Philippe le Hardi, qui lui a dit, attention, tu es mon beau-frère, en plus ton frère est excommunié. Hein. Et il est excommunié. Tu ne peux pas te mettre du côté d'un excommunié, quand même, toi, bon chrétien. Hein. Et le roi Jacques de Majorque finit par se rallier au roi de France. Hein, et il signe un traité à Carcassonne, l'année auparavant, là, où il dit, voilà, j'apporterai mon soutien au roi de France, je mettrai à sa disposition mes troupes et je lui ouvrirai les passages des Pyrénées. Hein. Extrêmement important, ça. L'armée du roi de France est en route, elle arrive à Narbonne, à Toulouse, Pierre Narbonne. Et alors, Pierre d'Aragon, qui attend toujours la réponse de son frère, qui ne sait pas que son frère a dit oui au roi de France, un jour, monte une expédition nocturne avec une cinquantaine de cavaliers et vient sous les murs de Perpignan. De nuit, toque à la porte, on lui ouvre pas. Il me le fera avant, vous me connaissez? Non, 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 pas question, il n'entre pas. Bon, comme ils sont une cinquantaine de cavaliers, il casse à la porte et il rentre. Il rentre à Perpignan, c'était fin avril 1285, et là, ils vont pas tout de suite au palais. Palais du roi de Majorque qui était alors en construction, qui n'était pas terminé. Ils vont d'abord à la maison du temple, à la maison des Templiers de Perpignan, qui se trouvait dans le vieux Perpignan, impasse de la Division. Vous savez où c'est ça? Impasse de la Division, c'est une rue, c'est une petite rue qui se trouve au bout de la rue Mailly, au bout de la rue Mailly, au moment où la rue Mailly débouche sur la loge, à droite, il y a une petite rue là. Il y avait autrefois la maison des Templiers. Pourquoi va-t-il à la maison des Templiers? Mais parce que à la maison du Temple, le roi de Majorque avait déposé ses archives, ses documents et son trésor. Arrivé à la maison des Templiers, pas de problème, vous savez, c'est pas 2 ou 3 frères Templiers, même pas chevaliers, qui vont empêcher le roi d'Aragon et ses 50 cavaliers de rentrer. Ils se font montrer les huches dans lesquelles était le trésor du roi de Majorque et ils les prennent. Et puis le roi Pierre d'Aragon dit, montrez-moi les papiers. Et dans les papiers, il trouve quoi? La copie du traité avec le roi de France. Signe de la trahison. Je l'ai publié d'ailleurs, puisque ce papier, nous l'avons, ceux qui achèteront le livre, pour le voir, hein, c'est
c'est magnifique. Furieux, il monte au château. Le château n'était pas terminé, bon. Avec ses 50 cavaliers, il rentre. Et puis il dit, bon, maintenant, il faut que je voie mon frère quand même. Il faudra que mon frère m'explique. Et il envoie un portier, non. Le portier revient et lui dit, votre frère est malade, il ne peut pas vous recevoir. Bon, il est malade. Il est malade, on ne va pas insister. Il fait préparer le papier par son secrétaire, un papier où il dit que son frère annule le traité avec le roi de France et en signe un nouveau traité avec lui, un traité d'alliance avec lui. Faites-lui signer ça et ça ira. Le portier se présente. Il revient au bout d'un quart d'heure et il dit, bah, on me dit qu'il est malade, qu'il dort et qu'il ne peut pas le signer. Et puis ça recommence trois fois. Le portier y va, on lui dit non, le roi est malade et il ne peut pas, on ne peut pas le déranger, il dort. Et Pierre d'Aragon dit, voilà un homme qui dort beaucoup. Et il dit, mais bon, puisqu'il est malade, on ne va pas le déranger. Et je vous lis le texte que le chroniqueur catalan Bernard Desclot a écrit à ce sujet. Par ma foi, il me semble que cet homme dort trop. Cela ne présage rien de bon. Il me semble que mon frère a dit, ce qu'il a dit, il n'est pas envie de le respecter, ni de l'accomplir. Bon, mais il n'y a rien à faire cette nuit. Comme il est à l'intérieur, nous le ferons garder du dehors. Si tant est qu'il faille le garder et qu'il n'est pas homme à s'en aller, surtout en raison de sa maladie. Et puis, il ne serait ni bon ni convenable d'entrer en force dans sa chambre du moment qu'il est malade. Alors, on fait garder. Il met des gardes partout et il va se coucher. Attends. Mais pendant que lui dormait, d'autres veillaient au château. Car vous devez savoir que toute la journée, le roi Jacques a été en discussion avec sa femme et quelques familiers dans sa chambre. Et il se repentit d'avoir accordé ce qu'il avait accordé. Il se sentait si coupable envers le roi d'Aragon, vu tout ce qu'il avait comploté et accepté contre lui, qu'il ne lui semblait pas que sa sécurité fût garantie. Il ne savait pas que l'autre avait encore trouvé le papier. Et que si par malheur son frère le découvrait, et il pourrait être puni de mort en tant que traître. C'est pourquoi, durant toute cette journée, il fit regarder et considérer s'il ne pourrait pas sortir du palais par quelque endroit sans être vu. Que nous fons vichent, hein? Et il fit appeler le maître maçon, le principal architecte de la construction du palais, et lui dit, maître, maintenant, il faut que vous montriez vos capacités et que vous cherchiez diligemment si vous pouvez trouver une fenêtre, une meurtrière ou un trou, vous qui avez travaillé au château, par où je pourrais sortir de cette chambre sans être vu, que nous vous vichent. Je ne crois pas, dit le maître, qu'on pourrait sortir sans qu'on le voie, parce que, vu la manière dont le roi d'Aragon fait surveiller et garder le château. Parce que nous pensons que, hasta une rate, nous pourrions sortir dans le castel que nous fons vistes. Même un rat ne pourrait pas sortir du château sans être vu. Alors le roi Jacques se considéra comme perdu. Il lui dit, mais faites quelque chose. À l'époque, c'était provisoire, le roi de Machoc avait sa chambre au rez-de-chaussée et pas dans les chapelles, à côté des chapelles hautes au premier étage, parce que c'était pas terminé. Alors il dit, faites quelque chose, faites un trou dans ma chambre, faites que je puisse sortir. Dit le maître, ce que vous dites est facile à faire, à dire, pas tellement à faire. Pourtant, n'importe qui d'autre que vous pourrait tenter de sortir par un endroit que je connais.
et dites-moi quel est cet endroit. Or, maintenant, j'ai honte parce que cet endroit est sale, n'est-ce pas? Un homme comme vous ne peut pas sortir par un endroit si sale. Il y a un conduit en dessous de votre chambre, et peut-être qu'en cassant les lierges, en cassant les pierres, on pourrait accéder à ce conduit, et là vous pourriez sortir peut-être. Ah oui, faites. Et alors, toute la nuit, il y a deux ou trois maçons qui viennent, qui cassent des pierres, et finalement on trouve le fameux conduit qui allait de la cuisine et qui sortait en dehors du château. Les archéologues l'ont découvert il y a 4 ou 5 ans, il existe, il est dans le livre, vous le verrez. Et alors, tout content, ils y vont, ils trouvent que le conduit est praticable, alors ils sortent avec des torches et ils se trouvent en dehors du château. Auparavant, il a embrassé sa femme et ses enfants, tout le monde a pleuré et ils s'enfuient. Il s'enfuit par là. Et il s'enfuit, il trouve un paysan qui était là, avec une mule, et il lui dit, prête-moi ta mule, et avec sa mule, il va jusqu'au château de la Roque, où il va se réfugier, à la Roque d'Albert. Imaginez-vous, le lendemain, le roi Pierre, toute la nuit, ses gardes ont essayé de le réveiller, parce qu'ils ont entendu des bruits, ils ont dit, il se passe quelque chose. Et il les a chassés. Il dit, arrêtez, vous avez bu, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, moi je veux dormir. Mais le matin, il constate que le roi de Majorque s'est enfui. Furieux, il fait prisonnier et la reine et les petits-enfants. Et puis, comme les habitants de Perpignan commencent à s'ameuter, et à se demander ce qui se passe au château, les habitants de Perpignan commencent à monter en armes, alors, le roi d'Aragon, Pierre, s'enfuit et s'en va jusqu'à la frontière, jusqu'au col de Panissas. Vous savez où est le col de Panissas? Il est à droite du col du Pertus, à 2 km. Et là, sur la prière de ses nobles, il relâche la reine qui était enceinte et sa fille, mais il garde les trois petits et il les amène prisonniers avec lui en Catalogne. Premier épisode. Deuxième épisode, 15 jours plus tard, l'armée française arrive à Roussillon. Ils se présentent devant Sals. Les habitants de Sals ont la trouille et n'ouvrent pas leurs portes. Comment, dit le roi de France, mais pourtant, Sals, c'est en Roussillon. Ils sont sujets du roi de Majorque, qui est mon allié. Ce sont des traîtres. L'armée française donne l'assaut à Sals, qui n'était pas la forteresse actuelle. C'était un village avec deux ou trois murs. Ils rentrent et tout le monde est tué. Tout le monde est passé au fil de l'épée. L'armée française déboule sur le Roussillon, arrive devant Perpignan. Les habitants de Perpignan ont peur, 100 000 personnes, vous comprenez, plus de 100 000 piétons, 15 000 cavaliers, des machines de guerre en pagaille, ils ont la trouille, ils n'ouvrent pas leurs portes. Il faut une négociation pour que les Perpignanais ouvrent leurs portes, et encore, il faut qu'ils donnent 120 otages au roi de France, ils sont obligés de faire ça. Sinon, c'était l'assaut et on ne sait pas ce qui se serait passé. Parce que, figurez-vous que l'armée française en fait de belles. Il y a une petite troupe qui a vu que les portes de Perpignan étaient fermées, qui se présente devant le monastère de Léole. Vous ne savez pas où c'est, Léole? C'est entre Toulouse et le Soleil, un monastère de nonnes cisterciennes. Pauvre nonne. Elle, on ne les passe pas au fil de l'épée. Vous imaginez où elle passe. Les soldats français cassent tout, les nonnes, les pauvres, ils les laissent complètement dépenaillés et blessés. Tout ça se sait à Perpignan.
C'est pour ça que les négociations ont, donc, ont traîné autant. Mais toute l'armée se répand dans le Roussillon. Ta, 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 ta. Après, une fois qu'ils entrent dans Perpignan, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a Elne. Les habitants d'Elne ont peur. Ils n'ouvrent pas leurs portes. Et c'est pareil. Et on est obligé de donner l'assaut. Après 3 jours d'escalade, assaut à Elne. Et à Elne, le 25 mai 1285, toute la population est passée au fil de l'épée et tout est détruit. Et alors, toujours le chroniqueur catalan Bernard Descol qui nous dit, alors, ils se déchaînèrent sous les hommes, les femmes et les enfants sans regarder à rien. Ils rentraient dans les églises de la ville, volaient, cassaient les images des saints qu'ils y trouvaient, ils jetèrent tout de manière irréparable, ainsi que les reliques des saints. Ils saisissaient les petits enfants et les fracassaient contre les murs. Puis ils prenaient de force les femmes, veuves, pucelles et les hommes, sans révérence pour l'église et les autels, car ils couchaient avec elles, ici même, dans l'église. Et puis quand ils avaient abusé d'elles comme ils voulaient, ils blessaient gravement, les tuaient, car il ne servait à rien de demander pitié ni de crier. Jamais chose si laide ni si cruelle ne fut commise par des gens de religion, chrétiens, juifs, sarrasins et païens. Ce fut une cruauté pire que celle du roi Hérode quand il fit tuer les innocents à Bel-Air. Les horreurs de la guerre. Rassurez-vous, les Catalans feront de même après. Hein. Parce que les horreurs de la guerre, ça se passe des deux côtés. En attendant, c'est pas le Roussillon qu'il faut conquérir. Il faut passer de l'autre côté. Première tentative, l'armée française passe par l'écluse et se prépare à monter à Panissars. Mais je ne sais pas si vous avez vu l'écluse, le bas, c'est étroit, c'est difficile de passer. Il suffit de peu d'hommes pour garder le passage d'écluse pour monter dans le col de Palissas. Et c'est donc leur première tentative est un échec. D'autant plus que le roi Pierre fait une ruse de guerre que son père avait employée en d'autres temps contre les Sarrasins de Minorque. Il a fait allumer 200 ou 300 feux la nuit dans la montagne, ce qui fait que les Français ont cru que toutes les armées d'Espagne seraient là. Donc ils se retirent. Mais il faut quand même, puisqu'on veut aller conquérir le royaume d'Aragon, il faut passer de l'autre côté. Comment faire puisqu'on ne peut pas passer par la cluse, par le col de Panissars? Alors on cherche. Et alors, il y a un abbé d'un monastère bénédictin de la région, l'abbé de Saint-André de Sorède, qui était un languedocien, et qui fait avertir le roi de France, il dit, mais il y a un passage par lequel on peut passer. Alors il faudra l'aménager, bien sûr. Et puis il n'est pas gardé. Les Catalans et Aragonais, ils ne sont pas de l'autre côté. C'est le passage du col de la Massane. Le col de la Massane, donc, qui était un vieux passage connu où il y avait un chemin. En quelques jours, en 10 jours, le roi de France envoie 10 000 pionniers qui dégagent le passage et ça permet d'arriver au sommet qui n'était presque pas gardé. Et ensuite, de là-haut, on descend sur l'Empourdan, on descend sur Peralada. Le roi Pierre est surpris, il abandonne le Panissa et il descend à Peralada. À Peralada, l'armée française est passée, elle est passée en partie par la Massagne, puis après aussi une partie par le col de Bayos. Le roi de France lui-même, qui est passé avec l'arrière-garde, est passé par le col de Bagnols et est allé à camper quelques jours au monastère de Saint-Kirce de Colère. Le roi Drago est à Peralada. Il se demande s'il va défendre Peralada. Réunion de conseil. Le seigneur de Peralada, Dalmau de Rocavalti, lui dit, sire, on a 30 jours de vivre à Peralada.
c'est une ville qui ne sera pas suffisamment forte, on ne pourra pas la tenir. Donc, les Catalans brûlent le Père Alade et se retirent. L'armée française déboule sur l'Empordà. En même temps, la flotte française, qui venait de Provence, descend le long de la Costa Brava et occupe tous les ports de la Costa Brava, depuis Roses jusqu'à San Fernando de Guíchols. L'armée française prend Père Alade, prend Figueres aussi, et le roi d'Aragon décide de ne défendre que Gérone. Que Gérone. Parce que Gérone, vous connaissez le siège, le site de Gérone. Gérone, c'est un site fort, facile à défendre. Il fait évacuer la population civile et ne laisse dans Gérone que des combattants. Et il demande donc au vicomte de Cardona, Ramon Folc, de défendre Gérone et de tenir tant qu'il pourra. Tant qu'il pourra. Parce que si Gérone cède, bien, c'est la route ouverte jusqu'à Barcelone et la guerre est perdue. Au début du mois de juin, donc, l'armée française s'est répandue dans l'Empordà, la flotte est jusqu'à San Fernando de Guíchols, et on peut dire que la situation du roi d'Aragon est désespérée. Elle dépend de deux choses. Du temps que Gérone va tenir, et elle dépend d'une autre chose, du temps qu'il faudra à la flotte, à sa flotte qui est en Sicile, du temps qu'il lui faudra à cette flotte pour revenir et pouvoir affronter la flotte française. Parce qu'à ce moment-là, il n'a à sa disposition que 10 galères armées qui sont à Barcelone. Donc la situation, pour lui, est absolument désespérée. En juillet-août, c'est l'été, il fait chaud, les choses vont se décanter et tout d'un coup, elles vont se terminer d'une manière absolument imprévue et imprévisible. D'abord, Gérone tient. Gérone est complètement encerclé par l'armée française. Tout ce que peut faire le roi Pierre d'Aragon, c'est des escarmouches pour attaquer les convois de vivres qui vont de Rosas à Gérone dans l'Empordà. Il le fait. Mais ce n'est pas ça qui va faire gagner la guerre. Il va falloir, pour que la guerre tourne, change, il va falloir un miracle. Il va y avoir deux miracles. D'abord, l'armée française va être frappée d'une terrible épidémie de typhus, ce qu'on appelle scientifiquement le typhus des armées. Elle va perdre en un mois, pratiquement tous ses chevaux, 40 000 chevaux, elle va perdre la moitié de ses hommes. Les chaleurs, ils boivent les eaux dégoûtantes là-bas du bassin de Gérone, et l'armée continue à siéger, mais elle a perdu les trois quarts de ses chevaux et la moitié de ses hommes. Et puis, fin août, la flotte de Sicile va arriver à Barcelone. 50 galères commandées par l'amiral de Sicile, Roger de Llobia, qui va pouvoir intervenir à partir du mois d'août. Donc au mois d'août, les choses changent, l'armée française décimée, et la légende dit qu'elle a été attaquée par d'énormes mouches, des mouches bleues, qui avaient deux aiguillons, un à la tête, un à la queue, et qui piquaient les hommes et les chevaux, et qui ne survivaient pas plus de trois jours. Et alors, nous connaissons cette légende par un écrivain sicilien, Bartolomeo de Nocastro, qui était un des ministres qui gouvernait la Sicile au nom du roi Pierre, et qui écrit ceci, voilà. C'est lui qui nous dit d'où venaient ces mouches. Ces mouches, en réalité, elles venaient du fait que les Français, ces mécréants,
avait brisé le tombeau de Saint Narcisse, le patron de Gérone. Et du tombeau de Saint Narcisse s'est échappé cet essaim de mouches bleues qui sont allées frapper les hommes et les chevaux. En somme, c'est une vengeance du saint dont on a brisé le tombeau, hein, et c'est de là que sont sorties ces mouches qui ont ruiné l'armée française. Et même, donc le chroniqueur français Guillaume de Nargis nous le dit. L'armée française fut violemment attaquée par une terrible peste. Le Seigneur envoyait donc une telle multitude de mouches sur l'armée des Français qu'on pouvait la considérer comme l'une des pires plaies de l'Égypte, car cela sont en tout pire et plus cruel que le pharaon. Ces mouches étaient en partie bleuâtres, en partie vertes, avec une marque de couleur rouge. Elles étaient si venimeuses qu'elles ne pouvaient toucher nulle part un cheval ou un animal de charge sans le tuer immédiatement. Ainsi moururent la plupart des chevaux de l'armée et d'innombrables autres bêtes de somme. Il y avait tant de cadavres de chevaux et d'hommes que l'air fut infecté de leur odeur et de leur putréfaction. À cause de cette infection, moururent beaucoup de nobles, comtes et barons français, d'innombrables cavaliers et soldats de l'armée, de sorte qu'à cause de cette peste, le nombre des combattants fut grandement diminué. Ensuite, le roi de France lui-même contracta cette maladie. L'odeur était telle dans leur camp que même dans les murs de Gérone, les gens qui se trouvaient sur les tours et sur les murailles de la ville en furent affectés, et même ceux des nôtres qui étaient en dehors auprès des lignes françaises et qui, à cause de l'excessive puanteur, n'osaient s'approcher de leur armée. Premier désastre, une armée amoindrie et affaiblie. Vous pouvez voir encore aujourd'hui dans l'église de Saint-Félix de Gérone le tombeau de Saint-Narcisse, hein, on l'a remis en place. Hein. Et puis, vous savez, tout au long de l'histoire, chaque fois que les Français ont assiégé Gérone, ça s'est produit plusieurs fois, après plus tard, et même sous Napoléon, les mouches sont ressorties. Hein. Les mouches sont ressorties. Et si vous vous promenez aujourd'hui Gérone, vous voyez sur des façades des petites mouches. Mais vous pouvez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces mouches? C'est les mouches de Saint-Narcisse. Et les plus grands défenseurs de Gérone de toute antiquité depuis la fin du XIIIe siècle. Et c'est sérieux. Enfin, j'explique ça tout à fait à l'intérieur. Et puis, le 28 août, 1285, la flotte de Roger de Julien arrive à Barcelone. Et en un combat qui se déroule dans les derniers jours d'août 1285, elle détruit la flotte française au niveau des îles Formigues. Les îles Formigues, c'est des petits îlots que vous trouvez au large de Palamos. Hein, au large de Palamos. On les voit à peine, hein. On les voit à peine, ils sont là. Et là, en une bataille qui a lieu au petit matin, quand la nuit règne encore, quand le jour ne s'est pas encore levé, Roger de Julien détruit la flotte française, complètement. Ce faisant, il remonte le long du littoral et il s'empare de Rosas. Rosas qui était le port qui ravitaillait l'armée française. L'armée française avait choisi de se ravitailler par mer, principalement. Donc la prise de Rosas coupe la retraite de l'armée et surtout la prive de tout son ravitaillement. Désormais, le ravitaillement ne peut venir que petitement par le col de Panissars. Non, mais le principal port est pris, il n'y a plus de centre de ravitaillement. Donc, mois d'août, deux catastrophes qui tombent sur l'armée de Philippe le Hardi, trois catastrophes. Le désastre des mouches, le désastre de la flotte et le désastre de la maladie du roi. Donc, ce qui se passe, c'est que Philippe le Hardi ordonne, qu'est-ce que tu veux faire toi? Il ordonne le repli vers l'Empordà. Le roi malade se replie en Empordà, peu à peu. Il arrive à Castel d'Empúries,
Et là, il s'arrête au moment, hein, et décision du commandement, on va abandonner la guerre, on va se replier sur la France parce qu'il n'y a plus moyen, hein, on ne peut plus résister. Et peu à peu, donc, l'armée française, les débris de l'armée française se replient vers le col de Panissars. Au col de Panissars, ils sont attendus par une partie des troupes de Pierre d'Aragon qui avaient contourné et qui vont faire un massacre pendant la nuit du 29 au 30 septembre 1285. Si vous montez à Panissars, vous allez même du côté de la Catalogne, vous avez même un petit monument qui commémore cette victoire des troupes catalano-aragonaises sur les troupes françaises. Et vous y voyez, bien sûr, la l'Estelade. Pompe. Vous y voyez le drapeau autonomiste catalan, l'Estelade, qui est là, qui veille dessus. Le roi de France est malade, très mal. Mais qu'est-ce que c'est comme problème, ça ? Il est obligé de demander à son fils, l'infant Philippe, le futur Philippe le Bel, le prince héritier, il lui dit, voilà, Philippe, vous avez de bonnes relations avec votre oncle, le roi d'Aragon, écrivez-lui pour qu'il nous laisse passer de l'autre côté. Et nous avons une lettre qui prouve que Philippe de France, le futur Philippe le Hardi, le futur roi donc, puisque son père est mort, a écrit donc à Pierre d'Aragon et qu'il a obtenu que Pierre d'Aragon laisse passer la famille royale et son entourage et personne d'autre. Et effectivement, cette bataille du col de Palissard sera un vrai désastre. Le roi de France arrive péniblement jusqu'à Perpignan et là, il meurt le 4 ou 5 octobre 1285. Ça a fait débat. C'est quelque chose qui a fait débat. Le chroniqueur Ramon Montané dit « Mais non, il n'est pas mort là. Moi, je sais où il est mort. Moi, je suis de Peyrade et je sais qu'il est mort à Villeneuve de la Mougue, à 2 km de Peyrade, au mas de mon ami Sorbe. Il est mort au mas de Sorbe de Villeneuve de la Mougue, et quand il a passé le col de Palissars, il était déjà mort. C'est le seul qui dit ça. Enfin, Montané, vous savez, autant il est magnifique comme narrateur, autant il est peu fiable comme historien. L'ensemble des historiens et des autres chroniqueurs, aussi bien français que catalans, nous affirment que le roi Philippe de France est mort à Perpignan le 4 ou 5 octobre. Où ? On ne sait pas. Certains disent au palais des rois de Majorque, chez son allié. C'est pas prouvé. D'autres disent à l'hôtel d'Ortafa. Vous savez, là où on allait chercher le permis de conduire auparavant. C'est pas plus prouvé. On ne sait pas où il est mort. Le fait est qu'il est mort. Et que Philippe, son fils aîné, devient roi. À partir de ce moment-là, c'est lui qui organise tout. Il organise les funérailles qui ont lieu à Perpignan, puis à Narbonne, parce qu'on porte le corps jusqu'à Narbonne, c'est-à-dire dans le domaine du roi de France, en France. Et là, Narbonne, qu'est-ce qu'on lui fait à ce pauvre Philippe ? Eh bien, vous savez, on lui applique la technique qu'on appliquait aux chevaliers teutoniques pendant les croisades, pour les chevaliers qui étaient morts loin de leur pays. On le met dans une cuve et on le fait bouillir. Pourquoi le faire bouillir ? Ben pour détacher les chairs des os. Et c'est pour ça que pendant longtemps à Narbonne, il y a eu le tombeau des chairs de Philippe le Hardi à la cathédrale de Narbonne. Pourquoi il n'y est plus ? Parce que les Français sont atroces. 1793, la terreur. Les révolutionnaires ont pété le tombeau. Il y en a que des tout petits morceaux, il y en a que des petits,
petits morceaux que vous trouvez, quand vous les cherchez, dans le trésor de la cathédrale de Narbonne. Et moi, j'ai retrouvé, même dans ces petits morceaux, une petite sculpture qui représente un jeune homme qui était un pleurant qui soutenait le tombeau. Et ce petit pleurant qui soutenait le tombeau, on dit que c'est le petit Charles de Valois, le jeune frère qui devait devenir roi d'Aragon. Celui que Montalais a baptisé roi du chapeau et roi du vent. Hein. Et en parce qu'il n'a jamais régné, bien sûr. Et que deviennent les eaux? Les eaux à Saint-Denis. Les eaux à Saint-Denis, mais vous croyez qu'ils y sont à Saint-Denis, les eaux? Il y a le gisant qui a été sculpté. Mais les eaux, eh bien vous savez, la terreur a frappé aussi là-bas. Les Jacobins sont rentrés là-bas. Et ils ont viré les eaux aussi. Les eaux ont été. Ce qui fait que vous pouvez aller aujourd'hui à la basilique de Saint-Denis, hein, et vous ne trouvez rien du tout. Et puis il y a même eu un autre tombeau. Le cœur qu'on avait mis de côté. Pas pour le manger, non, mais le cœur du roi, c'était précieux. Et alors, Philippe le Bel, l'héritier, l'avait dit aux Dominicains de Paris, non, le cœur sera pour vous. Les moines de Saint-Denis n'étaient pas d'accord. Ils disent, non, comment nous on aurait les eaux, nous les rois de France, on les enterre à Saint-Denis, on veut le cœur aussi. L'affaire est allée jusqu'au pape. L'affaire est allée jusqu'au pape, et qui a dit que désormais, on ne disposerait plus comme ça des restes des rois et qu'on devrait consulter la papauté. En attendant, Philippe le Bel a donné le cœur aux Dominicains, qui l'ont envoyé dans une abbaye de Dominicains, hein, quelque part en Normandie, où il a disparu, on ne sait plus où il est. Voilà donc ce qui est advenu de Philippe le Hardi. Et vous me direz, et la guerre? Et la guerre? Parce qu'on n'a pas fait la paix, hein? On n'a pas fait la paix. Et la guerre, mais où est-ce qu'elle en est, la guerre? Le roi d'Aragon a reconquis tout son pays, jusqu'à la frontière, jusqu'aux Alberts. Et le roi de Majorque, d'un autre côté, il se fait tout petit, et il se dit, maintenant, c'est peut-être moi qui vais être envahi. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Il va y avoir des escarmouches d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. En fait, personne n'est assez fort pour envahir l'autre de manière durable. Et escarmouche d'un côté, escarmouche de l'autre, on rentre 10 ou 15 km à l'intérieur des frontières de l'autre, mais en fait, la frontière va se tenir sur l'Albert. L'Albert devient à ce moment-là une vraie frontière. Une vraie frontière, c'est cette guerre qui fait de l'Albert la vraie frontière entre le royaume d'Aragon et le royaume de Majorque, entre la branche aînée et la branche cadette. Avec quand même une petite différence. Profitant de sa supériorité maritime, le roi d'Aragon, Pierre, envoie sa flotte faire la conquête des îles Baléares. Et il confisque les Baléares. 1285, octobre, quelques semaines après donc, la mort de Philippe le Hardi, l'amiral Roger de Llúria conquiert les Baléares pour le roi d'Aragon. Il n'a pas le droit, bien sûr. Mais enfin, le conflit n'est pas terminé. Il y a toujours le roi de France et il y a toujours le pape. Le pape, hein, pour qui les rois d'Aragon, quel qu'il soit, sont excommuniés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris indûment la Sicile. Alors Pierre d'Aragon se dit que, après tout, ce soir, il prend les Baléares en garantie tant que les affaires ne se règlent pas. En fait, il faudra attendre 13 ans plus tard et le deuxième successeur de Pierre d'Aragon pour que l'affaire se règle. L'affaire se réglera en 1298. L'affaire se réglera quand le pape Boniface VIII décidera de ficher la paix au roi d'Aragon en Sicile, mais par contre l'obligera à rendre donc les Baléares au roi de Majorque.
qui les récupérera à ce moment-là. Il y aura une grande cérémonie qui se tiendra à Argelès, dans un camp près d'Argelès, où donc l'oncle et le neveu, le roi, le major Jacques, qui est déjà âgé, qui vit longtemps, et puis un de ses neveux qui a succédé à Pierre, donc s'embrasseront et concluront donc une paix à peu près définitive. En fait, il n'y aura jamais de paix définitive, mais en fait, les Baléares reviennent dans le giron du roi de Majorque. Et après, eh bien, vous voyez, après, c'est pas fini. Le roi Pierre est victorieux, il fait conquérir les Baléares, et puis il va s'occuper un peu de remettre de l'ordre dans son pays qui a été ravagé par la guerre. Mais lui aussi tombe malade. Il tombe malade et il va mourir le 10 novembre, la veille de la Saint-Martin, à Villefranche d'Albanès. Il est chez lui. Lui, on ne va pas lui appliquer les règles des chevaliers teutoniques. Lui, on va l'embaumer et on va l'enterrer au monastère de Saint-Escléos, à quelques dizaines de kilomètres de Villefranche del Penedès. Mais c'est pas fini. Non, il n'a pas ressuscité. Il y a 5 ans, des chercheurs catalans ont ouvert sa tombe à l'abbaye de Saint-Escléos, ils se sont aperçus que cette tombe était restée inviolée. Pourquoi ? Parce qu'elle était trop lourde. En réalité, c'était une tombe en porphyre d'origine romaine qui avait été transportée là, spécialement. Et on l'avait embaumée et mis dedans, Pierre. Alors, on a sorti la momie et analysé comme on a analysé les momies égyptiennes. Ainsi, on a pu découvrir tout de quoi il était mort. Il n'est pas mort de la peste, lui. Il est mort d'une espèce d'atteinte de tuberculose. On a pu savoir ce qu'il avait mangé la veille. On a pu savoir quels étaient les vêtements dans lesquels il avait été enterré. Et surtout, on a pu faire cette chose extraordinaire. On a pu reconstituer en 3 dimensions son visage. Et ça, cette photo, je la publie dans le livre. Et voici Pierre Varro, tel qu'il était à l'époque. Oui, c'est un mec. Quel âge il avait là ? Quel âge il avait, Robert ? 45 ans. 45 ans. Cette photo a été cédée par le Musée national d'histoire de Catalogne. Tiens, c'est un miracle. On a des gisants, on a des peintures, mais on n'a jamais de photo des gens de l'époque. Et là, par ce procédé ultra scientifique, on a pu reconstituer le visage d'un roi qui est mort donc, depuis plus de 700 ans. C'est unique. C'est un scoop, on dit. Hein. C'est un costaud. Et voilà comment se termine cette histoire. Vous voyez, finalement, une croisade venue de Sicile qui a été prêché par un pape français, le pape Martin IV, organisé par un de ses cardinaux, le cardinal Cholet, qui a confié au roi de France le soin d'organiser une expédition, qui a été victorieuse au départ, qui aurait dû être victorieuse parce que tous les éléments étaient réunis pour qu'elle fût victorieuse, et qui s'est terminée par un désastre. Un désastre complet, la mort du roi de France. Et il y a un chroniqueur italien qui s'appelle Giovanni Viani,
dont je publie quelques textes là-dessus, qui a dit, et si maintenant vous n'avez pas compris pourquoi le roi Philippe le Bel a couru toute sa vie après de l'argent, c'est qu'il a été ruiné, et toute sa noblesse a été ruinée par l'expédition, par la croisade d'Aragon. Pendant une génération, le royaume de France a payé économiquement donc, l'échec de cette croisade d'Aragon. On se dit, maintenant, après tout ça, tous les gens sont commencé à fabuler, c'est parce qu'il avait besoin de sous qu'il a voulu prendre l'argent des Templiers, etc., 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 etc. Et ici, ben ici, finalement, rien ne change. Alors, vous allez me dire, tout ça, pour ça, et oui, mesdames et messieurs, tout ça,